Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le jeu Last Day on Earth. On se retrouve aujourd'hui pour le septième épisode concernant mon second compte et donc on va attaquer ensemble le chapitre 5 de l'acte 1. Voilà. Juste avant, donc je vais récupérer tous mes petits cadeaux. Donc déjà là j'ai le petit cadeau du jour, on en est au 10e jour et donc je récupère une vingtaine de vis. J'ai bientôt le sac à dos militaire qui devrait arriver, donc ça me fera un petit peu plus de place, ce qui est plutôt bien. Allez, on prend les 20 vis, tac, ensuite on va aller directement dans la boutique. Alors ça, c'est un truc que j'ai tendance à oublier. J'ai pas repris l'habitude d'aller checker ça. Vous voyez, sur les 10 jours que j'ai passé, j'ai récupéré que 4 caisses en fait. Bref, je vous passe la pub. Hop, voilà. Allez, on fait ouvrir. On va essayer de dégoter une petite arme. Ouais, la machette. Allez, ça me va bien. Ça me va bien. Bon, l'AK aussi, hein, ça m'irait bien. Le sac à dos, évidemment que j'en serais heureux. Mais voilà, je suis quand même content d'avoir au moins la machette et le petit Glock. Et la prochaine fois, j'aurai les kits de soins. Allez, hop, on est parti. On active également le bonus du guérisseur, en l'occurrence. Donc là, je privilégie évidemment l'XP. Voilà, 1 h et 3 minutes durée de l'effet. Je suis level 74. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau du pass de saison également, j'ai pas beaucoup joué hein, ce week-end. Là, je suis level 31. Voilà, j'ai pas beaucoup évolué. On se fera un petit opening en fin de saison. Il reste encore 2 jours avant la fin de cette saison numéro 42. Au niveau des événements actuellement, il y a quoi? Il y a la réserve, d'accord. Tiens, j'ai peut-être un truc à récupérer d'ailleurs. Ouais, qu'est-ce que je vais prendre? C'est quoi ça? Berger allemand, 5 cuirs, un kit de soins. Je vais peut-être prendre plus le cuir pour le coup, parce que le kit de soins, un seul, voilà. Non, je vais prendre les 5 cuirs, ça me servira pour crafter des armes. Le collectionneur, ok, on va essayer de dégoter quelques posters. On va aller voir ça, et puis surtout, on va commencer donc cet acte 5. Et là, alors sur moi, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai un pied de biche, j'ai pris un Glock, parce qu'il me semble quand même qu'il y a un peu plus de mouvement, on va dire, sur ce début d'acte 5. Et on va se crafter un autre pied de biche quand même en plus. Alors la tenue que j'ai, je l'ai récupérée au bunker. Je me suis refait un bunker hein, depuis. Hop. Ouais, pour l'instant, je m'en crafte un. Ça suffira. On verra après s'il y a besoin d'un peu plus ou pas. Je vais le mettre comme ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et puis, bah allez, c'est parti. Hein. On va aller directement checker ça. Je vais juste prendre mes jetons puisque là, je dois aller à la station essence. Je sais plus où je les ai posés. J'ai dû les mettre dans le pick-up, je crois. On va regarder ça. Allez. Voilà. Eh ben, c'est parti, les gars. On y va. À tout de suite à la station essence. Allez, on est à la station. On va aller voir donc apprenez-en plus sur les motos. Ok, donc là, faut juste aller checker, je pense, les motos. Voilà. Le modèle chanceux, récompense de la saison 3. Très bien. Fouiller les alentours de la station essence. Bon, ben là, pour l'instant, c'est du petit check. Je suis dans le carré blanc. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, d'accord. Ça, c'est les capsules. D'accord. Je vais poser celle que j'ai d'ailleurs. Voilà. Parfait. Et 320 capsules. Ouais, elles viennent d'où les autres? Ah, il y en avait peut-être 300 par défaut au début. C'est possible ouais, qu'ils en mettent 300. Ici, ok, il faut faire la zone VIP. Gna gna gna. Très bien. Bon, bah là, c'est une zone du coup, je n'y aurai jamais accès puisque je vais rester absolument en free to play sur cette partie-là. Fouiller les alentours de la station essence encore. Donc là, il va nous montrer la moto. Très bien, avec des jetons, j'imagine, aller récupérer tout ça. Admirer la TV. Oh, qu'il est beau la TV. Un gros engin. Mission accomplie. Allez voir Jane, si elle va bien. Est-ce que tu vas bien? Ah, elle est là. Noga, nana. Vas-y. Regardez dans la caisse. Bien. Oh, 12 tickets rouges. Putain, je me rappelais plus qu'il y avait ça. Ah ouais, d'accord. Ok, va y avoir le bunker à aller faire. Ça va, parler à Jen. Une carte magnétique du bunker Alpha. C'est là qu'ils ont volé la caisse. Mettons une équipe sur pied et allons piller. J'ai un vieil ami qui était dans l'armée. Ouais, bon, alors du coup, ça, je l'ai déjà fait la dernière fois. Je vais te montrer. Allez, allez au bosquet de pin. Ah, attendez, attendez, attendez. Il y a un poster là. Il y a un poster. Hop.
Alors, sachez qu'au niveau de l'event du collectionneur, les posters sont toujours situés dans les mêmes zones. Par contre, dans chacune de ces zones, ils peuvent être situés à des endroits différents. Et là, en l'occurrence, c'est la première fois que je le vois collé à la porte du camion. Je l'avais jamais vu jusque-là. Bon, bah allez, go. Tac, voilà, un poster trouvé. Allez, go. Trouver le marine. Le marine, d'accord? Ouh, je sais pas si c'est pas là qui me tire dessus le gars. Ouais. Bingo. Ok, il va falloir que j'aille lui tirer dessus avant qu'il ne me tue. Ce serait pas mal. Ah putain, et puis il y a tous les autres en plus là. D'accord. Ok. Bon, bah on va. Voilà. Il me tire dessus le salaud. Eh, c'est moi, gars. Vas-y. Ah, désolé, de loin, tu ressembles vraiment à un zombie. Allez, viens, on va se racheter un petit. Ok. Rentrez dans le parc. Attends, je vais finir de tuer les loulous, là. Ouais, c'est pas plus mal hein, comme ça aussi, en fait. On les laisse venir et puis le copain, bah, il s'occupe d'eux, quoi. Voilà. Alors, allons checker ce parc. Donc là, ok, c'est fermé. Très bien. Là, ok. Il voilà, faut passer par là. Qu'est-ce que ça nous dit? Tâche accomplie. C'est pas le bon tuyau, verse ça en autre. Asseyez-vous près du feu. Ici. Vas-y, je m'assois. C'est le matos militaire du bunker qui t'intéresse, c'est ça? Oui. Oui. Et alors? Le bunker alpha, je sais comment y aller. Je peux t'y emmener. Parfait. J'avais bien dit, c'est bourré d'armes et de matos. Il y en a assez pour équiper tout le cratère. Buvons d'abord un coup. C'est pas bon. Ok, obtenez 5 bouteilles. Bon, allez, on va aller les chercher. Une. Voilà. On refait le tour. Mettez la table. On va au bunker ou quoi là? Hop. Mission accomplie. Parfait. La fin est proche. Allez, je me retrouve au Pined. Bien. Ah, ma tête, qu'est-ce qu'on a bu hier? Où suis-je? Qui suis-je? Trouvez les indices sur l'endroit où vous êtes. Regardez qui voilà, c'est ton idée de ramener. Ouais, tu es si crasse qui est arrivé à Jen. Ok, vas-y, on prend l'appel. Je sens que je vais en avoir besoin. Ici, il y a quoi? Il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. On va prendre ça. Hein. Allez, hop. Parce que je sens que l'appel, je vais en avoir besoin. Oula. Examiner les indices. Bah ouais, je veux bien, mais il y a... C'est où qu'il faut creuser là? C'est pas là. Putain, je me rappelle plus. Là non. Là, il n'y a rien. Ah, si. C'est l'un des amis du soldat, ivre mort. Hein. Ok. Examinez le tracteur. Hop. Le tracteur, il est là. Parfait. Ok. Allez au village. Bien. Et ben on y retourne. Alors. Hop. Bien, qui dois-je aller voir? Parlez aux résidents. D'accord.
C'était sympa hier soir, mais tu devrais nettoyer derrière toi. Ouais. Lui, il a rien à me dire. Lui, qu'est-ce que t'as à me dire? Rien. Ok. Nettoyer le bazar. Ah, d'accord. Hop. Hop. Et 5. Voilà. Trouvez le chef. C'est toi le chef? Non. T'es la chef? Non plus. C'est toi la chef? Non. Bon, il est pas là, ok. Donc il doit être là. Ah oui, mais il y a la flèche orange, putain. Mais c'est pas possible ça. Hop. Après la fête d'hier, on a perdu Billy le cuistot. Inspecter la maison du cuisinier. Ça, ok. Ok. C'est pas la maison du cuisinier. C'est merveilleux. Elle est là. Cra, quoi? Dommage. Je vais supprimer ça. Je vais garder mes dindes. Voilà. Hop. Quelqu'un a attaqué mes dindes au sous-sol. C'est encore des saloperies de renard. Il faut que j'aille nettoyer tout ça maintenant. Heureusement que j'ai fait faire un double des clés. J'arrête pas de les perdre. Ben ouais. Trouve la clé. Elle est là. Voilà, monsieur. Parfait. Allez au sous-sol. Et ouais. Alors, un petit coffre. J'aurais peut-être dû poser des trucs avant quand même. Parce que là, si j'ai du matos à récupérer. Ouais. Wow, purée. Bon, la carte. Ah, il risque de me la redemander ou pas? Allez, dans le doute, on va faire comme ça. Voilà. Ok. Ici, j'ai un zombie, d'accord. Là, j'en ai un autre, ok. On va se les faire. Olé, olé! Il danse. Tac. C'est quoi ça? Ah, c'est la grosse dinde. Ah bah elle est morte. Bien. ATV Parts. You can win. Mais oui. C'est le panneau de la station essence. Ouais. Allez à la station essence. Ok. Waouh. Waouh. Merde. Ah purée. J'aurais dû y aller à poil. Bon, ça, je le prends, hein, c'est obligé. Les dindes, du coup, il aura à se soigner, mais voilà. Ça, franchement, ça me. Ah là 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 là. Le ressort. Allez, on va laisser le ressort, tant pis pour le pantalon. J'en trouverai ailleurs des ressorts, c'est pas trop trop rare, ça, comme item, ça ira. Mais la tenue, ouais, j'en ai trop besoin, là. Je pensais pas te revoir. Que s'est-il passé hier soir? Bon, rien, tout va bien. Parlez aux gardes de la zone VIP. Bien. On ne laisse pas entrer n'importe qui. Nous sommes temporairement fermés suite à l'incident d'hier. Ok. T'es pas sur ma liste. D'accord. Pas de problème. Ah, te voilà. Ah bah, te voilà. Va falloir me réparer tout ce bazar. Hiro est allé sur l'autoroute hier avec quelques autres, mais il n'est pas revenu. Retrouve-le et ramène-le aux marines. Ça marche. Alors attends 2 secondes, ma petite. Je vais quand même laisser ça, tout ça en fait, du coup. Voilà. Je vais laisser ça. Allez, ça aussi. Et puis on laisse tout. Je vais juste poser les jetons et puis on y va. Hop. Mais ouais. 338. Mais ouais. Je suis tellement loin d'avoir les 12 transmis, les 12, les 10 transmissions. Bien, voilà l'autoroute. Lui, allez, niveau supérieur. Eh, au fait, j'ai débloqué la compétence voleur level 1. Ça y est, level 1. Il m'en manque encore 2. Hein. A few moments later. Éteignez la musique. Voilà. On sera mieux. Examinez le taureau. Voilà. Il est examiné. Dirigez-vous vers la ferme. Oui, bah attends, on va finir de checker tout ça quand même. Que j'ai fait hein, aussi d'ailleurs.
Je l'ai fait en off, j'ai réparé le pont. Voilà. Je ne sais pas si ça va me demander de le réparer à nouveau, peut-être. J'espère pas du coup. Je me suis fait la ferme, ouais, une première ferme. J'ai réussi à dégoter le plan de la déchiqueteuse par rapport à la machette en fait. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Alors après, je vous montrerai une session, un de ces quatre, sur la ferme en mode, on va dire, économique. Là, j'y étais vraiment full économie. Je l'ai enregistré, mais bon, je me suis pas comment record à la cam en même temps. Je sais pas, je verrai si je vous passe la session ou pas. On verra ça ensemble. Juste avant, alors attendez, j'ai quoi sur moi? Ok, j'ai ça. J'ai peut-être repassé à la maison vite fait pour récupérer un pied de biche encore. Parce que j'ai pas envie de dépenser mes armes à feu comme ça là. Je vais les garder pour le bunker. A tout de suite, on se retrouve directement sur la zone de largage d'abord. A tout de suite. Allez, on se retrouve à la zone de largage. Hop. On tue. Voilà. Allez, 1, 2, on tourne un peu. Hop, hé. Et ouais, faut esquiver les crachats. Je vous invite à aller faire ces zones de largage en début de partie, enfin un peu tout le temps même, mais surtout en début de partie, puisque ça permet notamment d'avoir des moteurs, des pièces de moteur, comme celle-ci, qui sont franchement nécessaires. Après, bon, on a l'habitude d'en avoir assez régulièrement, mais au début, c'est vrai que c'est quand même vachement important de les récupérer, notamment pour le chopper là que je suis en train de finir de fabriquer. Hop, on se retrouve à la ferme. Infliger des dégâts avec la Uzi. Ah, ouais, mais j'en ai pas moi. Ah, mais non, ça c'est par rapport à l'event. Ok, parce qu'il y a en plus l'event actuellement du pass de saison. Voilà. Event, vieille ferme. Les dégâts de l'Uzi augmentent de 25%. Sauf que j'en ai pas, donc c'est difficile de. Putain, j'ai déjà fait des trucs là avec la ferme d'hier. Ah ben oui, j'ai déjà validé deux quêtes. Tuer le destructeur, tuer les rustres pourris. Mais du coup, j'ai pas pu avoir celle de l'Uzi. Bon, c'est pas grave. Inspecter la ferme. Donc là, évidemment, on a une version un petit peu différente puisqu'on est sur l'histoire. Et l'histoire donne des scénarios un peu différents sur les zones. Et du coup, la ferme va être légèrement transformée, mais ce n'est que provisoire. Juste le temps, en fait, de l'event et de l'histoire. Alors, j'ai dû oublier un poster là quelque part. On va aller regarder. Normalement, j'en ai un vers l'entrée. Le vert. Voilà. Alors, c'est toujours pareil par contre. Il y en a un en début d'entrée, le vert. Après, il y a le orange. Et au fond de la ferme, il y a le rouge. Ça, c'est toujours pareil. Mais derrière, ils peuvent être posés un petit peu n'importe où. Donc, encore une fois, dans les zones. Ok, j'en ai un ici à tuer. Vas-y. D'habitude, il y a un géant là à la place. Bon, je pense que la plupart d'entre vous maintenant connaissez la ferme quand même. Alors, ok, le petit ticket orange, je le prends. Mais oui. Ici, d'accord, je peux pas passer, mais c'est normal. Faut que j'aille inspecter là-bas au fond. Très bien. On va y aller. Ouais, je suis obligé de passer par là. D'accord. Tac. On ramasse le poster qui n'a rien à voir avec la quête. Ok. Éliminer le taureau. Ouais, mais. Ouais, je peux éventuellement le wall trick, mais bon. T'en bouge pas, Coco, là. Fous-moi la paix. Allez, dégage. J'attends de voir si dans la maison il y a quelqu'un ou pas, en fait. Il bouge ou pas, le taureau, là? Il attend que je passe, non? C'est ça? Ah, je peux pas l'ouvrir, putain. Je vais voir combien il me fait de dégâts. Faut tester. 16, ça va. Et il a 109. Allez, vas-y. Paf, mais oui. Parlez aux survivants. Ah, j'ai cru que je m'en sortirais jamais. Ouais. Leroy. Cette sale bête m'a fait grimper jusqu'au toit. J'étais là pour récupérer, hein, amène-le au camp. Il est grand temps qu'on entre dans ce bunker. A few moments later.
Allez, on se retrouve au bunker Alpha, ça y est. Je vais pouvoir enfin faire cette quête et finir normalement, si je ne me trompe pas, le chapitre 5 de l'acte 1. Et donc on va après pouvoir enchaîner avec l'acte 2, que l'on fera évidemment un autre jour. J'espère juste que ça ne va pas me demander la carte du bunker A, sinon ben, je suis bon pour faire. Non, c'est bon. Maintenant, gna gna gna, j'ai même pas eu le temps de te lire, gars. Dès que tu ouvriras la porte, je donnerai l'assaut. Ouais, ouvrir la porte du bunker. Alors. J'ai, hop, 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 le petit poster, ça c'est bon. Ici, 73-487. Eh ben, merci bien. 73-487. 73-73-487. Mais oui. Ok, là j'ai mon stuff. Eh, vous avez vu, hein, j'ai déjà commencé. J'ai pu commencer à me faire. Ah si, j'ai une usine, tiens, je l'avais pas vu. Ouh, faut que je ramène tout ça aussi à la base là. Bon, bref, un autre jour. Il m'a dit quoi? Rien. Et descendez. Ok. Alors attendez, avant de descendre, on va faire un petit point quand même. Donc j'ai ça. Ça me va bien. Je vais aller poser mes tickets. Mes tickets qui sont là. Ok. Je me suis fait donc un opening hein, depuis avec des tickets rouges, orange et vert. Donc voilà, j'ai pu dégoter pas mal de stuff, pas mal de tenues. Encore un réservoir également. J'ai pu obtenir aussi le fusil à pompe, mais c'est pas ça. Je crois que j'ai eu une autre pièce pour la moto. Je ne sais plus laquelle. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais poser ça. Là, voilà, c'est ce que je cherchais. Je vais me prendre un peu de soin quand même. Ouais, on va se mettre là, ça, ok, ça, ok. Et on pose ça, ça. Puis on est pas mal. J'ai quoi comme arme de mêlée là qui pourrait m'aider? J'ai plus rien. Ouais, fait les marteaux, non. Et là, j'ai rien posé, je crois. Là, j'ai rien mis. Hein. Non, j'ai rien mis. Mais je vais peut-être prendre. Ça risque d'être juste. Hein. C'est bien d'y aller à l'économie, mais enfin, quand même, arriver à un moment où. Bah, voilà, quoi. Économie. J'aurais dû prendre un petit peu plus de. J'ai la flemme. Allez, on va prendre le Glock, tant pis. Tant pis, tant pis. Let's go! Voilà. Alors en fait, ces petits events, ça permet surtout, bah, vous le voyez, hein, de découvrir, de permettre aux nouveaux joueurs de découvrir les zones. Lui s'est mis debout sur les chaises. Inspecter le hall. Alors normalement, voilà. Les gars, ils s'occupent de tout pour vous. D'ailleurs, je vais aller. Non, j'ai d'abord. Hop, m'occuper des gars qui sont là. Ah non, il n'y a personne. Oh. Apporte les coupons et tu auras ta récompense. Je ne sais pas qui a inventé ce bien. Allez hop. Mais non, mes points. Il me pique mes points de saison, le gars. Allez, venez m'aider, les gars, là. Allez. Non, personne? Putain, faut tout faire soi-même, c'est dingue. Hein. Voilà. Oh, une petite plaque. Ah oui, parce qu'il est en mode hard le truc, c'est vrai. Waouh, j'avais oublié ça. L'event, il se fait en mode hard. Ah ouais, donc ça va être encore un peu plus compliqué du coup pour moi là, avec les quelques armes que j'ai. Cet ascenseur mène au niveau suivant. Très bien, descendez d'un étage. Parfait, on va descendre d'un étage. Vas-y, hein. Vas-y. Voilà, les copains, j'ai entendu il y a des anciens appelés porte-couloir de la mort. Tu devrais sans doute t'éloigner des murs. Et oui, parce qu'il y a des petits bras qui veulent me taper. Oh, ils veulent m'attraper. Tu veux vraiment continuer? Moi, j'hésite. Mais non, t'inquiète. Allez, on va y aller. Continue de marcher, eux, oui. Allez plus loin. Ah, oh, ben il y a plein de zombies partout.
Voilà, bon bah là il suffit de regarder hein, comment ça se passe. Pour l'instant ça se passe bien, n'est-ce pas? Voilà. Allez, ça c'est fait, il y a juste à ramasser. Hop. Ah bah il s'occupe déjà du gros lard là-bas. Bon bah ok, allez-y les gars. Et lui il se barre. Allez, encore un coup. Voilà. Hop. Ah non, c'était le mien. À chaque fois. Ils me prennent mes points de saison, les gars, là. Bah ouais. Laissez-moi un petit peu. Pas trop, mais un petit peu, quoi. Attention, des bêtes veulent nous dévorer. Ils en ont enlevé pas mal, des petites bébêtes, quand même. Ils sont nombreux là-dedans. Va falloir être discret. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il fait? Mais. Il est bête! Attendez, on va se mettre comme ça. M'assassie. Sneak. Hop. Tu me vois toi ou tu me vois pas? Tu me vois, tu me vois, tu me vois pas, tu me vois, tu me vois pas. Tu m'as pas vu. Hop. Ping. Ping. Oula. On va prendre le pied de biche. Je vais essayer de donner le dernier coup. Non, ça ira pas. Il m'aurait foutu une tatane. Je sais plus jusqu'où je dois aller. Aller plus loin encore. Ok. Pour l'instant, je ramasse les tickets. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. Allez, oh il est mort. Il est mort. Explorer le bunker AFA. Tâche accomplie. Nettoyer la pièce. Bien. Eh bien, nous allons nettoyer. Putain, mais le mec, quoi. Vas-y. Voilà. Donc là, attention parce que c'est pas fini en fait. Voilà. Le mec il se fait tirer dessus par la tourelle. Hop. Tu l'as réparé? T'as fini, ça y est? Non mais oh. Je pensais qu'il fallait la tuer en fait, mais je sais pas, j'ai dû me tromper. Bon, je vais poser ça, j'en ai pas besoin. Ça, je prends, ça, je prends. Ok. Qui est couillon? Il est bête, hein. Hop! Aïe! Bon, on va le laisser se faire liquider, hein. Oh! Non? Allez, je m'en occupe. Voilà. Ouais, t'arrives maintenant, toi. T'es marrant. Libérer le spécialiste. Ouais, j'arrive. 2 secondes. 2 secondes. Allez, 20 coupons verts comme par hasard. J'ai tissu épais, tissu épais. On va se mettre là plutôt. Ouais, je vais le prendre comme ça. Donc ça, c'est l'établi d'armes. On n'en a pas besoin. Ouais, j'ai failli oublier. Aidez-nous. Aidez-moi. Parlez aux marines. On a perdu presque tout le monde. Il faut qu'on se tire. Retournez au hall.
Merci, j'ai de la chance. Ouais, allez, viens. Il va falloir qu'on travaille ensemble. Oui, viens. Voilà. Allons dans la piscine. Mais oui. Allez. Hop. Ça c'est fait, ok. Parler au spécialiste. C'est tout pour le moment. Ah ouais, merci encore, je te dois la vie. Ouais, pas de souci. Ouvrez la caisse du tapis roulant. Donc là, il faut trouver une caisse, sachant qu'au tout début, effectivement, il y avait plus de caisses à ouvrir. Je crois que c'était 3 ou 5 ou 3, je ne sais plus. Donc là, j'en ai une à ouvrir. Bon, on va l'ouvrir. Avec les 20 tickets que l'on a. Et puis, ben là, je suis dans le caca parce que j'ai pas de place, quoi. On va se mettre déjà une tenue full. On va prendre le Glock au cas où ce soit perdu. Ça, ok. Je vais prendre ça. Et là, on est bon, hein? Alors, je vérifie. 65, acte 1. Ouvrir. Acte 1, abri perdu. Attendez. Terminer l'acte 1. Ouvrir. Mais oui, chapitre 5, mission 5. Et ben voilà, on a fini. Je dis pas de la merde, hein. On a fini. Et ben super. Voilà, c'est génial. On va pouvoir maintenant attaquer l'acte 2. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Je vais juste... c'est pas non plus très 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 prioritaire. Je vais juste mettre ça comme ça. Voilà. Allez, on se retrouve à la base. À tout de suite. Allez, c'est tout bon, on se retrouve à la base. Donc là, il y a Connor qui confirme bien que l'acte 2 est lancé. Alors, je le ferai évidemment sur une prochaine vidéo, bien sûr, pour pouvoir activer l'acte 2. En attendant, on va se faire l'opening de l'acte 1, un opening intégral. Alors, c'est parti, on va s'ouvrir tous les cadeaux et ça, je suis vraiment content, très 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 content. Bon, j'arrive péniblement au level 32, par contre, pour la saison, mais c'est pas grave, c'est pas l'objet du truc. 65 cadeaux à récupérer. L'acte 1 est fini, ça y est. L'acte 2, il faut d'abord donc alors terminer concrètement l'acte 1 en allant parler évidemment à Connor, mais on voit bien qu'au niveau des cadeaux, tout est a priori disponible et donc on va tous les ouvrir depuis le chapitre 1. C'est parti. Allez. Hop, mission 1, obtenir la récompense. Cra, donc là j'ai un fendoir, 10 machins, 10 trucs. Ok, on se fera un point à la fin. Ok, là j'ai un peu de la daube. 3, il y a l'arbalète, ça marche. Chapitre 2, ouvrir. Donc là j'ai le vinyle de l'hôtel abandonné plus le gramophone. Voilà. Pour la mission 1, j'ai deux petits sacs à dos qui vont m'aider pour la moto. Ok, j'ai 10 steaks. Je sais plus s'il y a des moteurs à un moment donné, ce serait peut-être pas mal. Allez, mission 2, c'est fait. Chapitre 3. Toc, chapitre 3, mission 1. Ah, j'ai un petit plan de drone. Un petit plan de drone. Le lapsus. Dark, corde nouée. Ok, il y a du cuir. Bien. On prend. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un berger allemand, plus une tenue. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? L'étagère. Mais oui, en obtenant, en terminant l'acte 1. Parfait. Allez, hop, ça c'est fait. Chapitre 4. Chapitre 4, mission 1. Ok, j'ai des barres de fer, j'ai des planches de pain, j'ai des briques. Ça me va. 2. J'ai toujours pas de moteur, par contre. Hein, de pièces de moteur, j'en ai toujours pas. Ouais, la tenue, un maillet. Ok, des pansements. Très bien. 3. Des clous, de la tenue encore. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça met bien, hein. Et 4. Donc là, j'ai le lance-flamme. Que je n'utilise absolument pas, vraiment. Je ne sais pas si vous l'utilisez, mais moi, pas du tout. Hop, on obtient la... Ah, putain, il y a 10 moteurs là, mais ouais. Faut pas. Eh ben, tant pis. Allez, et dernier chapitre, chapitre 5. Il y a 5 missions dans le chapitre 5 de l'acte 1. Donc, la tenue de biker. Ouais. Le tuyau, ok, des soins encore, ça il y a pas mal de soins par contre, ça, on se met plutôt bien au niveau des soins. Mission 3, tenue militaire, deux grenades, allez, ok. Mission 4, encore des soins, le reste de la tenue militaire, parfait. Et mission 5, mais si, 10 moteurs, 10 pièces de moteur. Oh, mais attendez, mais va y peut-être y avoir, je sais plus. Et nouveau style de moto, c'est Symbioz, je crois ça. Ouais, c'est ça, Symbioz, modèle Symbioz. Bon, ben impeccable. Impeccable. J'ai juste checké vite fait les pièces de moto que j'ai là. Ça se trouve, j'ai de quoi faire la moto.
C'est pas ça. Il manquerait peut-être une fourche. Ah, c'est peut-être la fourche qui me manque. Elles sont où? Ah, elles sont où? Donc j'ai ça, ok. J'avais déjà posé une roue, je crois. Non, je sais plus. Ou c'est peut-être au bunker. Ouais, je sais plus. Bon, ben c'est pas grave. On fera un point de toute façon sur une autre vidéo. Bon, ben écoutez, voilà. C'est tout bon pour l'acte 1. L'acte 1 de l'histoire. Et on se retrouvera eh ben, très 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 bientôt pour l'acte 2. Donc j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Et pour ce qui me concerne, eh ben, comme d'habitude, je vous dis à très 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 bientôt. Allez, ciao!